Itineo, c'est 660. Donc un intégral avec espace enfant à l'arrière. Donc à l'avant, il y a un lit de pavillon sur cabine. Et à l'arrière, il y a une petite table avec deux places. Puis des lits superposés, je crois. Je vais aller voir. Donc ici, on a cet Itineo 660 qui fait 6,61 m de long. Hein. Je crois qu'il y a trois modèles Itineo en 660. Ici, un modèle avec un arrière spécial enfant, un arrière lit jumeau et un arrière lit central, je crois. Donc, allons voir ce CS660. Donc, CS660, un beau salon en L. Ça, c'est sympa. Hein. Donc ici, porteur Peugeot. Peugeot, alors je sais pas si c'est Peugeot Boxer, c'est ça. Donc, belle cabine, hein. Ça fait beaucoup de place, hein. C'est volumineux, c'est pas un petit bébé. Avec le lit pavillon au-dessus, évidemment, il est là le lit pavillon. Alors, au-dessus du salon, d'un côté, il y a deux rangements. Bon, ici. Il y a ces petites boules là qu'on voit chez beaucoup de fabricants. Je ne sais pas si c'est très durable, mais bon, on doit pouvoir les changer facilement si elles s'usent. Le salon, donc table en table portefeuille qui s'ouvre en deux. Elle n'est pas très grande, mais bon, quand c'est ouvert, ça va. Assise ici correct, hein. C'est simili cuir, hein. Une petite cuir. Mais bon, c'est coloris sympa, c'est foncé, mais c'est moins salissant d'une certaine façon. Alors au-dessus de l'autre partie du salon, il y a aussi un rangement. Ici, j'imagine, il doit y avoir un système. Bon, il y a un système pour le siège transformé en siège route. Hein. Donc ici, on doit être en 5 places route. 2 sur le fauteuil principal. Et puis ici, le système de transformation. Alors, à l'entrée, poignée de préhension. Il y a peut-être une extension ici à installer. Peut-être. Je ne la vois pas pour l'instant. La cuisine. Donc, toujours un combiné 3 feux Dometic et puis un évier et toujours le lit. Un liseré lumineux avec le rappel de la marque Itineo. Itineo Groupe Rapido. Au-dessus de la cuisine, un grand rangement partitionné. Au-dessus de la cuisine, 3 tiroirs ici. Je ne vais pas les ouvrir, hein, c'est tous les mêmes. Un range-couvert là. Et puis ici, c'est pas des tiroirs. On pense que c'est des tiroirs. Je n'avais pas vu la feinte. En fait, il n'y a rien du tout. C'est deux grands rangements. Elle est là l'extension. Apparemment, couleur de la même couleur et qu'on peut mettre là. Donc ça, c'est parfait. Un bon point. Un bon point. Alors ici, pour terminer sur la cuisine, un grand réfrigérateur slim Dometic. Et un grand rangement au-dessus. Et je sais pas, apparemment c'est technique là. Il y a un espace en dessous, mais c'est technique. Donc, derrière la cuisine, espace bain. Donc en fait, j'ai déjà vu le même dans un autre modèle de la série C660. Donc ici, c'est une salle de bain Vario, donc avec un espace douche avec une bonde, chauffage, toilette à tête orientable, rangement, un ouvrant pour aérer, ici un lavabo avec un joli système, c'est du plastique mais c'est quand même sympa, joli système pour l'eau qui s'écoule, et une vasque ronde
un système vario. Donc ici, on... Alors, il y a un système, il y a une accroche là-bas. Hein. Ici, elle était déjà enlevée. Ou elle est déjà cassée, je ne sais pas. Mais normalement, il y a une accroche. Alors ici, on rentre dans la douche. Cliquez. Et on ferme la douche comme ça. Ou peut-être en clipsant ici. On le fait mieux. Hein. Et donc cette douche, bon, elle a une forme un peu particulière, mais bon, ça va. Hein. On a quand même pas mal d'espace. Il faut rappeler que c'est un véhicule en 6,61, donc c'est pas un long véhicule. Donc ceci dit, il y a quand même une douche qui est raisonnable. Et alors le système Vario, pour le fermer, ben, c'est extrêmement simple. Hein. Il suffit de... Donc c'est bon en fait, le cliquet il est là, je ne l'ai pas vu, il était ouvert. Donc voilà pour cette jolie douche, jolie douche et jolie salle de bain, et ça se termine avec un beau miroir au-dessus du lavabo. Dernière partie, la chambre, enfin la chambre, l'espace enfant peut-être. Donc ici, une table avec deux sièges pour jouer, etc. Et puis deux lits superposés avec chacun une ouverture. Alors c'est assez sympa parce que il y a une petite soute en dessous. J'imagine que si on n'utilise pas le lit du bas, on peut avoir beaucoup de place pour faire des rangements aussi. Là aussi. Donc ça peut être à la fois du couchage et de l'espace de rangement si c'est pas occupé. Et ici, on peut même aussi faire, peut-être, à vérifier, un cinquième couchage. Parce que de toute façon, il est 5 places route. Il peut être 5 places couchage, là. Ça, ici, ça peut être transformé en lit, je pense. À vérifier, mais bon, c'est très probable. Un rangement au-dessus. Donc ça, c'est une table télescopique. Je pense qu'on peut aussi la bouger comme ça, pour si on veut de la place. Voilà. Et il n'y a pas de rangement en dessous, peut-être, non? Oui, non, peut-être, je sais pas. Alors ici, encore un rangement. Alors, le lit. Fenêtre, aération. Il y a une liseuse, il n'y a pas de liseuse. Je ne sais pas. Il y a une liseuse, là, elle est cachée. Un petit truc pour accrocher, et puis là c'est pareil, même traitement pour l'étage du bas, ouverture et puis une liseuse là probablement, et ici porte pour la soute au cas où ça servirait de soute. Donc assez sympa. Donc pour les gens qui ont des enfants, les enfants peuvent avoir leur espace à eux. Alors, j'avais pas vu, mais il y a aussi ici une grande penderie. Beaucoup de rangements. Et puis, il y a aussi ici une deuxième table. Je ne sais pas si c'est une table... Je ne sais pas où on la met, cette table, mais il y a visiblement un plateau supplémentaire. De beaux véhicules, hein. J'avais déjà vu ce modèle... en version plus large, je pense, mais ici c'est en version 2,19 m de large. Beau véhicule. Est-ce qu'elle est ouverte, la soute? Je crois pas. Ah si, peut-être. Non, elle a l'air d'être fermée. Donc voilà, un beau véhicule, pas donné, hein, 75 700 euros à partir d'eux, et 84 000 le modèle exposé. 19% de TVA allemande incluse.